breton, demeurant à Sainte-Pexine. Et je suis compétiteur d'attelage depuis 5 ans au niveau national et puis une bonne vingtaine d'années d'attelage en pratique sur toute la région. Alors mon palmarès, il a été en 2003, 2004, 2005 champion des régions de Pays de Loire. Et ensuite, je suis parti à la compétition au niveau national. Ah, j'ai fini 5e en 2007. Et l'année dernière, 2008, j'ai fini premier en sub-circuit amateur, champion de France, à Lignières-en-Berry. Et cette année, je suis passé en professionnel. Et je suis à nouveau champion de France d'attelage à deux chevaux, toujours avec la même paire. Il faut absolument qu'ils se complètent. Déjà, pour faire un attelage en paire, il faut que les chevaux aussi s'entendent tout à fait, oui. Ensuite, là, j'ai un cheval Joe, un cheval de 8 ans, qui est sur la droite au niveau de l'attelage. Donc lui, c'est un cheval qui est déjà, on va dire, son caractère, il est vraiment bien fait pour moi, parce que c'est un cheval qui est tout de suite posé, qui est tout de suite sur la main, qui n'est pas difficile. Il fait ce que je lui demande. Bon, il a beaucoup de stress, lui, mais il le fait. Ensuite, j'ai Black, qui est sur le timonier gauche. Alors lui, c'est un cheval qui ne stresse pas du tout. Par contre, qui peut exploser à n'importe quel moment. Lui, il s'occupe pas si je suis sur le carré de dressage, si on est en haute compétition. Et c'est un joueur, il faut donc alors lui, il faut l'amener gentiment à ce travail-là, le mettre au travail tout en s'amusant, mais il faut gérer ça. Donc Black, c'est un cheval beaucoup plus stressant pour moi à le mettre au dressage. C'est des chevaux que j'ai depuis 4 ans. C'est des chevaux, je suis parti sur cette race-là, c'était pour leur élégance qu'ils ont au niveau du dressage. Parce que c'est vrai que j'ai eu des selles français, j'ai eu des anglos, et puis malheureusement, ils n'arrivent pas à tenir cette cadence. Alors j'avais remarqué que cette race-là était quand même déjà posée naturellement à ce style-là pour faire du dressage. Et puis c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de difficultés pour les amener au niveau, quoi, à ce haut niveau-là. Alors, mais forcément, il y a beaucoup de dressage. On appelle ça un petit peu, c'est des Formule 1. Donc, il faut absolument qu'on les sorte impérativement tous les deux jours. Il faut qu'ils sortent. Je les attelle à un, beaucoup à un, et ensuite à tous les deux pour les muscler. Du loisir le dimanche en famille, et puis ensuite ça a été un cheval, deux chevaux, et puis cette passion de mettre les chevaux au travail, surtout au niveau du dressage, les mettre à ma voix, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait aussi à cœur. Alors bon, ça s'est fait machinalement, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de, on va dire, beaucoup de moyens aussi. Là, c'est un sport quand même qui faut beaucoup de moyens, on va dire. Donc il m'a fallu beaucoup de temps, mais il faut aimer absolument, il faut de compétiteurs pour faire ce genre de choses. J'ai toujours aimé dresser déjà, mettre les chevaux à la voiture, dresser les chevaux. Et ensuite, cette compétition, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. Donc j'ai toujours aimé cette compétition. Reculez, 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 reculez. Là, marchez. Allez, Black Joe, trottez. Je suis un petit peu nouveau sur ce gros circuit. C'est le dressage. C'est le dressage qui est le plus dur, parce qu'il faut amener les chevaux dans un calme, qu'ils soient vraiment aussi qu'ils s'expriment vraiment bien. Donc il faut qu'ils aient du sang, on va dire. Et il faut qu'ils soient vraiment nickel. On va dire qu'ils ne bougent pas, qu'ils soient vraiment à l'écoute. Alors ça, pour moi, c'est le plus dur, parce qu'il y a déjà le stress du voyage au niveau du camion. Il y a l'environnement quand on arrive sur le terrain. Il y a les autres chevaux. Donc il y a beaucoup de détente à faire en arrivant, quand on arrive, la veille. Et puis pour moi, ça, c'est vrai que c'est le plus dur, parce que c'est une épreuve qu'en Vendée, malheureusement, on ne déroulait pas ces reprises de dressage au niveau petit concours, quoi, je veux dire, niveau concours régional.
avez la voiture qui me sert pour le dressage et la maniabilité. Donc le dressage, c'est le rectangle de 100 mètres par 40 où on a les figures imposées à faire. Et à la fin du concours, le troisième jour, on a la maniabilité des passages entre les cônes avec une voie de 7,5 de chaque côté de la voiture, des plots, avec une balle dessus. Et donc cette voiture me sert pour ce genre de compétition aussi. La voiture marathon, c'est une voiture, on va dire, qui est faite tout en fer. C'est une voiture qui a une voie de 128 de large, qui est son norme. Elle a un poids de 360 kg, qui est un poids aussi qu'on est obligé de respecter dans les catégories où on est. Ça, c'est une voiture qui n'a pas d'angle vif, où on va dire que ça cherche toujours à pousser les piquets. Elle est faite d'une manière que ça ne bute pas sur quelque chose. Donc, c'est la voiture qui me sert que pour le marathon. Pour la saison prochaine, 2010, ça va être les concours internationaux, donc que j'ai déjà commencé à faire. Donc ça va être sur... je vais essayer au minimum d'aller dans 3 pays différents. J'aimerais bien aller en Hollande, en Allemagne, la Suisse, peut-être la Belgique aussi. Et puis des concours en France éventuellement. Et puis refaire le championnat de France en fin de saison l'année prochaine. Et dans 2 ans, il y a les championnats du monde dans la catégorie 2 chevaux. Donc c'est quelque chose qui j'aimerais bien vouloir accéder, au moins être dans le bateau, on va dire, quoi, au moins être dans l'équipe pour représenter la France. Donc je vais tout mettre en œuvre cette année et la saison prochaine pour être dans l'équipe.